Le foot. Qu'est-ce que j'aurais été sans le foot, les gars? Le foot, ça représente, à mon avis, 80% de ma vie. Entre les coachs que j'ai rencontrés qui ont changé ma mentalité, les coéquipiers que j'ai rencontrés qui sont devenus des potes. Les gars, le foot, c'est toute ma vie en vrai. Dès que j'enfile cette paire de crampons et que je rentre sur la pelouse, ou n'importe où, même sur le béton, quand on fait des city ou quoi, les gars, tous les problèmes, ils s'en vont. Et je pense plus à rien du tout, je pense que au ballon rond, à m'amuser et à donner le meilleur de moi-même. Il n'y a que ça qui compte. C'est les échauffements, on les connaît depuis tout petit. C'est une chorégraphie dans nos têtes, on connaît par cœur. Certes, c'est chiant des fois de s'échauffer, on veut passer direct au match et tout. Les tours de terrain, pareil, on veut toujours gratter des centimètres, toujours arrêter plus tôt. Mais c'est trop important en vrai de vrai. Le foot, c'est pas que le ballon rond. C'est entretenir son corps, bien s'étirer, ne pas gratter des secondes là-dessus aussi, parce que sinon la blessure, elle peut venir rapidement. Bien évidemment, faut bien l'entretenir, mais il faut aussi bien le développer. Pour être au meilleur de sa forme, dans tous les matchs, à tous les entraînements, être au top, travailler sa vivacité, son explosivité, tous les aspects physiques, il faut le développer le physique. Sinon, en match, tu vas arriver, tu vas te faire bouger, tu vas pouvoir rien faire. Il faut se développer un maximum, tu prends 2-3 coupées, t'en mets une sur la ligne, un mètre plus loin, une autre plus loin encore. Tu vas à la première, tu reviens, tu repars. Au début, tu seras peut-être lent, mais petit à petit, tu vas être de plus en plus rapide. Tu vas progresser petit à petit. Après, tu seras beaucoup plus rapide et en match, tu verras directement la différence. Pareil, niveau technique, il faut beaucoup travailler. Tu prends 4 plots, tu fais des petits slaloms, à droite, à gauche, pied droit, pied gauche. Sur 10 slaloms, tu vas en faire 10, ça sera jamais les mêmes. Jamais. Il y a un moment, tu n'auras pas le même appui. Il y a un moment. La balle, elle va partir tout simplement parce qu'il y aura un rebond. Tu vas échouer. C'est sûr que tu vas échouer. Au bout d'un moment, c'est sûr. Manque de lucidité, manque de concentration, je sais pas, mais c'est sûr. C'est l'humain, c'est comme ça. Mais il faut continuer de travailler. Continuer. Toujours jamais lâcher. Après, en match, mon gars, tu vas être vif, technique, rapide, puissant, tout ce que tu veux. Et en plus, tu auras un temps d'avance sur tes adversaires. Mais bon. Le plus important, les gars, c'est de prendre un maximum de plaisir. Que tu sois gardien de but, défenseur, milieu ou attaquant, faut prendre un maximum de plaisir. C'est ça le foot. Ouais, je crois que c'est ça le foot.